Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des applications des matériaux plastiques. Dans le cadre du chapitre 1, Introduction et généralité sur les matériaux plastiques, de cours, caractérisation des matières plastiques. Planifié au premier semestre de la première année master, plasturgie et matériaux composites. Tout d'abord, je me présente, je suis Slim Chouchen, enseignant à l'ISEP de Sousse. Je remercie également mon cher collègue Bassam Siddiq pour son aide et conseils précieux durant la préparation et la réalisation de ce cours numérique. J'espère bien que ce support de cours soit à la hauteur de mes chers étudiants pour bien aider à connaître les ABC de caractérisation et les propriétés des matériaux plastiques. Les polymères et les composites, une grande famille divisée en quatre groupes, les thermoplastiques, les thermodurcissables, les caoutchoucs et les composites. Pour chaque groupe, on présente des exemples d'applications concrètes. Parmi les matériaux thermoplastiques, on trouve le PE, le PP, le PS, l'ABS, le PMMA, le PET, le PA, le PC, le PTFE, le PVC et le POM. Parmi les matériaux thermodurcissables, on trouve les polystères insaturés, les polyépoxydes, les polyuréthanes, les phénoplastes et les aminoplastes. Et pour les caoutchoucs, on trouve par exemple les caoutchoucs naturels, les polyisoprènes synthétiques, les polybutadiènes stérènes, les polybutadiènes nitriles, les polyisobutylènes, les polychloroprènes, le PTM. Sur cette table, j'ai rassemblé des exemples d'applications utilisées dans la vie et dans l'industrie. Alors, on passe à la première famille des polymères, les thermoplastiques. Alors, le premier matériau qu'on va traiter, c'est le polyéthylène, abréviation PE. Alors, avec le PE, on fabrique les sachets, les flacons, les bouteilles de Javel, les bouchons, des pièces techniques utilisées en automobile, et on trouve ici le PE sous forme de poudre. Le PE, c'est un matériau souple. Le deuxième matériau qu'on va le traiter, c'est le polypropylène. Avec le PP, on fabrique des boîtes, des cordes de serrage, des boîtiers d'encre, des pièces techniques, une boîte par injection, gobelet par injection, et des boîtes à chaînière intégrées. Ce matériau PP a une bonne résistance à la flexion répétée. On trouve ici l'application suivante en automobile contenant 40% de fibres de verre PP chargée. 40GF signifie fiberglass, c'est les fibres de verre. La variante expansée et le PP expansé pour fabriquer les emballages. Enfin, les sacs en polypropylène. Le matériau suivant, c'est le polystyrène PS. Donc avec le PS, on fabrique des cuillères, quelques profilés
en I, le support des tubes AIC, le poderort, les gobelets, les cintres, les caches CD et bien sûr les emballages sur mesure. La variante PS expansée. On trouve aussi cette pièce qui est fabriquée en HP, HIPS, c'est-à-dire PS résistant à l'impact. Alors, le matériau suivant, c'est l'ABS, des pièces techniques fabriquées en ABS. Celle-ci, c'est en ABS plus polycarbonate. C'est un mélange de deux matériaux. Et la partie inférieure de clavier, c'est en PS plus ABS. Alors, le matériau suivant, c'est le PET. Le PET, c'est le matériau utilisé pour fabriquer les bouteilles. Donc ici, vous avez les préformes obtenues par injection. Bien sûr, pour passer à la bouteille, on fait de soufflage. Un exemple de pièce technique en POT. Le tissu en POT et les barquettes aussi. Alors, le matériau suivant, ce sont le PVC, des tuyaux de canalisation, les profilés. On trouve ici le PVC souple. Alors, ces produits sont réalisés par thermoformage ici dans l'atelier de plastologie, PVC souple, et cette vissière est réalisée aussi dans le même cadre. Le film souple, c'est en PVC. Des pièces en polyamide chargé, contenant 50% de fibres de verre, et on a la poudre de polycarbonate. Le matériau suivant de la famille thermoplastique, ce sont les polycarbonates. Donc les monofilaments des brosses à dents, les CD, des pièces techniques, des boîtiers électriques en polycarbonate, ces boîtiers contenant 10% de fibres de verre. D'autres pièces techniques. Alors, la pièce suivante, c'est le POM, polyoxyméthylène, et cette pièce en PAI, c'est-à-dire polyamide imide, obtenue par usinage. Et enfin, dans la famille thermoplastique, on trouve cette dôme en PMMA. La deuxième famille de matériaux, c'est le caoutchouc. Alors, dans la famille caoutchouc, on a ici des gommes naturelles, synthétiques, des bandes aussi, non vulcanisées, à l'état pur, transformées par la suite en des produits tels que les joints industriels, les croix en polychloroprène,
les pneus, les ballons et le joint élastique en latex naturel. On trouve la matière silicone avant vulcanisation et après. On l'a utilisé pour fabriquer des moules en silicone, des caoutchoucs TPE, élastomères thermoplastiques obtenus par injection. Et vous avez la brochure suivante qui montre les caoutchoucs cellulaires. Par exemple, ici, vous avez le PDM. Ce sont des mousses utilisées pour fabriquer les semelles. PDM et TPE. Alors, la famille 3, ce sont les thermodurcissables. Et 4, les composites. Alors, pour la famille thermodurcissable, on a le polyester à l'état liquide, transformé par la suite en des pièces, sans charge, sans fibre de verre, des pièces techniques en polyamide, le bakélite, et le polyuréthane obtenu par combinaison entre le polyol et les océanates pour former les mousses. Trois types de mousses existaient sur le marché: rigide, semi-rigide et souple comme les matelas. Et puis ces assiettes sont fabriquées en mélamine incassable. Le moule de thermoformage est en époxyde. Alors, ici, vous avez une pâte en polyester plus fibre de verre utilisée pour injecter ces pièces. Ces pièces thermodurcissables injectées utilisant la pâte de polyester plus fibre de verre, pièce technique pour dans le domaine électrique. Donc, cette plaque par exemple, ce sont des époxydes pré-imprégnés plus fibre de carbone suivi par un drapage manuel et cuisson entre 6 et 8 heures. Nous obtenons des pièces très rigides. Des plaques aussi contenant des couches de mâte et imprégnées dans la résine. Alors, on présente ici les fibres de verre mâte tissu. Un autre type de tissu, double face entre le mat et le tissu. Ici, on présente les voiles. Ce sont des mats allégés. Les fibres de carbone, des fibres de carbone imprégnées dans la résine. Maintenant, on passe au panneau sandwich. Alors, par exemple, pour cette pièce qui représente une partie de la porte de protection en avion, est constituée de deux pots avec une âme en nid d'abeille. Les pots sont fabriqués par des plis en carbone pré-imprégné. Alors, cette pièce est
en tôle galvanisée et lame en polyuréthane. Ensuite, on présente ici quelques pièces obtenues par stratification. Par exemple, cette assise de chaise est réalisée par stratification manuelle pendant l'ETP de plastorgie. Des tubes en composite, des cages de protection moto en composite. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.